Pas de remise en liberté pour les sans-papiers retenus en zone d'attente depuis plusieurs jours. Ainsi en a décidé la chambre d'appel de Mamoudzou qui a statué cet après-midi sur le sort des Comoriens sans-papiers expulsés puis refoulés de leur pays la semaine dernière. Plus de précisions avec Alda Alidi. C'est la troisième fois que le dossier des expulsés refoulés des Comores passe devant le tribunal. À deux reprises, le juge des libertés a opté pour leur libération, s'appuyant sur des problèmes de procédure. Ce matin, leur cas a été une nouvelle fois discuté devant la chambre d'appel, mais cette fois-ci, le tribunal a infirmé les ordonnances précédentes. En clair, ces sans-papiers vont bien rester en zone d'attente pour une durée de 8 jours, le temps de trouver une issue à la crise diplomatique entre la France et les Comores. Ce dossier concerne 72 hommes, femmes et enfants interpellés depuis la visite d'Annick Girardin et le renforcement des moyens contre l'immigration clandestine. Contrairement aux 44 personnes expulsées ce lundi, ces immigrés ont refusé de signer la déclaration imposée par le gouvernement comorien, indiquant qu'ils partent de leur plein gré vers les Comores. Ne pouvant ni être expulsés ni laissés indéfiniment en rétention, leur avocat réclame leur remise en liberté. Mais le tribunal a estimé que cette décision à haute teneur politique pourrait avoir des répercussions graves sur une situation déjà tendue à Mayotte. Les autorités craignent en effet que les personnes relâchées ne se retrouvent bloquées en petite terre. Pour le directeur de la police aux frontières, les maintenir en zone d'attente jusqu'à leur expulsion permettrait de les protéger de la colère suscitée par une libération massive de sans-papiers. La crainte de nouveau décasage d'ampleur est aujourd'hui omniprésente. D'autant plus que selon le procureur, une partie de ces 72 personnes ont été interceptées par des milices villageoises avant d'être remises aux mains des forces de l'ordre. Des autorités impuissantes, car tant que les Comores refuseront d'accueillir leurs ressortissants, les procédures d'expulsion resteront au point mort.